J'ai commencé par le stylisme. Je couds, donc j'ai, encore une fois, j'étais autodidacte. J'ai appris très jeune, j'ai une grand-mère extrêmement présente. Et cette grand-mère m'a appris la couture. Et j'étais passionnée enfant par la couture, la mode, la haute couture, la création. Et j'ai exercé le métier de styliste pendant quelques années. Et en parallèle, je continuais à faire quand même des toiles. J'imprimais mes tissus moi-même à la main. Donc il y avait toujours le parallèle à la peinture. J'ai pour projet de créer des tapis. Donc lorsque je crée, donc il y a toujours ce lien avec le tissu. Et je trouve que même certains de mes visages, je peux les voir comme une femme qui porterait une tenue que j'aurais très bien pu créer. Il y a ce lien, ce parallèle, oui. Isabelle Carbuccia vit et travaille à Bastia. Portrait de femme, paysage, peinture abstraite, l'artiste ne s'interdit rien et aime par-dessus tout jongler avec les matières. Feuilles d'or, résine, acrylique, pastel, crayons de couleur, peinture au pinceau ou couteau, sur toile ou sur céramique. Isabelle Carbuccia explore toutes les techniques et tous les supports pour nous livrer son univers coloré. Alors déjà, lorsqu'on peint, on donne vie à une scène, même si c'est un abstrait, c'est donner la vie. Et lorsque je peins les visages, c'est vraiment, je crée un personnage. Et j'ai vraiment ce besoin de créer un personnage qui, pour moi, lorsque le tableau est terminé, existe. Et après, le regard est très important. Donc dans la symbolique, j'ai commencé par peindre l'œil. C'était l'œil en mémoire à une de mes grand-mères, la protection. Donc il y a aussi la symbolique de la protection dans le regard et que je remets à chaque fois, même dans un visage, lorsque je peins l'œil. J'essaie de donner cette image toujours de la protection de l'autre. J'avais une grand-mère qui signait l'autre et j'ai grandi avec ses croyances. Et il y a aussi ce regard qui est symbole de protection. Mais après, dans le regard aussi, on lit les émotions. Et il est important dans mes portraits que l'on voit dans ce regard, non pas de la candeur, ce que j'essaie d'éviter, et j'aime qu'il y ait, on va dire, une réflexion, une profondeur, et des fois même une certaine mélancolie, parce que la mélancolie, c'est aussi un sentiment, je trouve, profond. Isabelle Carbuccia a grandi dans une famille d'artistes. Passionnée par le dessin et la peinture dès l'enfance, elle fait ses armes dans la mode et le stylisme et décide courageusement de se lancer il y a quelques années dans une carrière d'artiste peintre à plein temps. Au prix de beaucoup de travail et de questionnements, le succès est au rendez-vous. Ses toiles et ses céramiques se baladent aujourd'hui dans le monde entier. Alors, le vase est né tout simplement parce que j'avais beaucoup de personnes qui me contactaient pour acheter des tableaux. Et même pour des tout petits formats, les prix étaient encore trop élevés. Et sincèrement, ça me contrariait de ne pas pouvoir donner satisfaction à une personne. Ça me contrariait beaucoup que la peinture ne puisse pas être accessible. Et j'ai voulu pour cela créer la céramique. Et je crée vraiment la céramique comme un tableau, donc hein, ce sont des céramiques qui ne sont pas cuites. Donc je peins toutes mes céramiques à la main, de la même manière. Et c'était vraiment pour donner accès à la peinture, on va dire, pour tous. Et puis ça me permet aussi, en créant, je me suis surprise à recomposer encore des personnages, des visages. Et lorsqu'on met en scène, on va dire pour un collectionneur, plusieurs vases, plusieurs céramiques, on peut recréer l'histoire.
C'est une façon pour moi de vivre, je ne pourrais pas vivre autrement. Et l'importance de l'art, ça apporte de la joie, c'est rempli de symboles, il y a des messages. On ne peut pas aujourd'hui être artiste sans forcément faire ça uniquement par besoin d'esthétisme. Thank you.